Bonjour maestro. Bonjour Max. Mais deux pianos? Oui, le mien avait besoin d'une révision complète. Ça risque de prendre du temps. Je vous le fais pas dire. En attendant, je dois en choisir un nouveau. Mais j'hésite encore. Moi, je prendrais celui-là. Pourquoi celui-là? C'est le meilleur. C'est lui qu'on voit sur tous les concerts à la télé. L'autre, là, il est même pas connu. Je vois. Tu sembles très inspiré aujourd'hui. Je te laisse le choix du morceau qu'on va travailler. Beethoven ou Elgar? Beethoven? C'est qui Elgar? Un compositeur anglais. Mais bon, à ta décharge, peu de gens le connaissent. S'il n'est pas connu, c'est qu'il n'est pas très bon. Allez, déchiffrage de ce célèbre salut d'amour, mesure 1. Waouh, c'est génial, ce Beethoven quand même. Le talent inimitable des grands maîtres. Boom Squall? Waouh! Où t'as eu son poster? J'ai mieux que ça! Des passes VIP pour son concert au Mercurium! On pourra même aller voir la star dans sa loge! Un selfie des ninjas avec Boom Squall, ça c'est un super coup de promo! Comment t'as fait? 100 coups de fil à sa maison de disque et 6 heures de queue! Tout le monde se bat pour un pass comme ça! Alors s'il vous plaît, cochez bien le 17 sur vos agendas! Ah, notre première star mondiale! On va parler de nous jusqu'en Amérique! 1, 2, 3, Ninja de l'air! Mon grand. Salut d'amour, c'est du Beethoven. Et autre monde, venez voir qui est là. Maintenant, cher public en délire, on applaudit bien fort le truc le plus dingue depuis l'homme sur la lune. MC Dibi remonte sur scène. Oh. Et oui, un grand merci à Malika qui me prête la salle de la MJC. Un désistement de dernière minute, autant que les artistes locaux en profitent. Je suis super heureuse pour toi, MC Dibi, tu vas mettre le feu comme autrefois. Il y aura du pur son avec mes musiciens de la grande époque. Je pensais demander aussi aux ninjas vénères de faire la première partie, si ça vous fait plaisir, bien sûr. Sérieux pas? Mais c'est génial, les copains seront hyper contents, j'en suis sûre. Allez, c'est un grand jour, faut fêter ça. À Didier. Alors, s'il vous plaît, cochez bien le 17 sur vos agendas. Le 17? Ouais, incroyable, hein, mon numéro fétiche. C'est un 17 que j'ai rencontré ta mère. Au 17. Au 17. Allez, monte, je te dépose. J'ai le trac. Tu dois connaître ça, mais il paraît que c'est bon signe. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon de regoûter à ça. Faire de la bonne musique avec de vieux potes et tout donner. Surtout pour ceux qui seront au premier rang et qui comptent le plus pour moi, toi et maman. Merci, papa. C'est super beau ce que tu dis. Non, c'est sincère. Je rêvais de remonter sur scène et ce sera encore mieux si c'est avec toi. Au fait, t'oublie pas de demander au ninja pour ma première partie. Je m'en occupe, papa. Promis. T'imagines s'il signe ma casquette, le pur délire. Moi, je mettrai ma photo avec Boom Squall juste au-dessus de mon lit. Ouais, bon, c'est peut-être un peu surfait tout ça. Paraît qu'il y a un super concert à la MJC le 17. Salut les gars! T'entends ça? Max veut aller voir une bande de nullos qui est en concert le même soir que Boom Squall. Je sais pas d'où ils sortent, mais ils ont rien compris. Tu blagues, j'espère? Après tout le mal que je me suis donné? Je vous ai bien eu. La question se pose même pas. Faudrait être débile. Thank you.
Bonjour, monsieur Barenboim. Bonjour, Max. Oh, on dirait bien que mon jeune prodige a sa tête des mauvais jours. Mon père remonte sur scène à la MJC du quartier le même soir que le plus grand concert de rap de l'année. Il va faire un bide, personne le connaît. Ah oui, c'est un problème. S'il n'est pas connu, c'est qu'il n'est donc pas très bon, non? Je plaisante, Max. Je suis même convaincu que le talent n'a rien à voir avec la célébrité. Quoi qu'il en soit, le talent, ça se cultive. Alors au travail. Ça sonne pas mal, non? Ouais, super. Beethoven est vraiment un formidable compositeur. Elgar, Max. Eh oui, Salut d'amour est un morceau d'Edouard Elgar, le compositeur inconnu. Et il n'a jamais aussi bien sonné que sur mon piano de marque inconnu. Comme quoi, même s'il n'est pas célèbre, ton père mérite de rencontrer son public. S'il a du talent, bien sûr. Il est super bon, mon père. Comment ça, ton passe, tu l'as perdu? Je comprends pas. Je l'avais dans ma poche et pouf, disparu. Trop tard pour en avoir un autre, j'imagine. Impossible! C'est vraiment trop bête que tu viennes pas avec nous. Oh, je sais, mais je penserai à vous enfermer dans ma chambre. Je suis vraiment nulle. Venez voir MCDB à la MJC. MCDB? Attends, tu m'as pas dit pour les ninjas, c'est ok pour le concert? Hein? Quoi? Le concert de Boom Squall est le même jour que le mien? Et tu le savais? Et avec les ninjas, vous aviez prévu d'y aller, c'est ça? T'aurais pu me le dire, j'aurais peut-être pu reporter. Mais moi je serai là, papa, et t'inquiète pas, ton public va pas te laisser tomber. Ouais, t'as raison, faut toujours rester optimiste. Mais bon, pour l'instant, il y a zéro Reza. Hé les gars, j'ai un truc à vous avouer. Quoi? Donc t'avais pas perdu ton passe? Je voyais pas comment faire. Je sais, c'est moche. Ce qui est moche, c'est que t'as cru qu'on comprendrait pas. Pas besoin de nous servir une excuse, moisi. La famille, c'est sacré. Ouais, on s'en fout du selfie avec Boom Squall. Ton père mérite un super concert. On va la faire, c'est une première partie. Ouais. Merci, les gars. Désolé, je sais que t'as fait beaucoup d'efforts pour avoir ces passes, Lamia. Pas grave, Max. Je sentais bien qu'il y avait un truc. Tu sais pas mentir. Alors au boulot, faut pas traîner si on veut rameuter notre réseau d'ici ce soir. Allô, Ophélie? Tu vas pas le croire, les ninjas passent en première partie de mon père ce soir. Ce soir, concert à la MJC. Les ninjas en première partie d'un pionnier du rap. En même temps que le concert de Boom Squall. Faudrait me payer cher. Si j'étais toi, je ferais travailler mes neurones. À Boom Squall, il y aura 10 000 furieux. T'auras pas une chance de l'approcher. Au concert de DB, t'es sûr d'avoir un selfie avec une star mythique. Pigé. Les gars, c'est cool d'être venu, mais je suis pas très optimiste. Pas beaucoup de réservations. Salut papa. Finalement, on a décidé de faire ta première partie. Merci les gars, ça me touche beaucoup. Bon bah, on dirait qu'il y a pas foule. Dommage pour ton père, on a fait ce qu'on a pu. C'est ça le plus important. Allez, même s'il y a qu'un seul spectateur, on donne tout. On est tous des potes, on aime les ninjas vénères. Si tu vois passer nos potes, c'est que tu trouves que j'ai pas peur. Sois pas jaloux de notre style, on peut t'en donner si tu veux. Mais si tu fais de la rime facile, c'est impossible. Waouh, vous avez vu cette ambiance? Les gars, c'était vraiment super. J'espère que je serai à la hauteur. Il y a beaucoup de monde qui est venu pour vous. Papa, ils sont surtout là pour écouter de la bonne musique. Et ça, tu sais faire. Tu vas les scotcher. J'aime bien quand tu fais le coach. Bonsoir. Ouais, on n'a pas changé depuis l'époque, photo. Quand on écoutait du rap sur cassette audio. Y'a pas, ils sont toujours aussi bons. Mais comme tu le vois ce soir, ça n'a pas disparu. Merci à tous, vraiment, les fidèles de toujours et les nouveaux. C'était une soirée d'enfer. Spéciale dédicace à Ramsès, à Boogie Moss, mes super musiciens, et aux ninjas vénères.
spéciale dédicace aussi à ma femme que j'aime, Sandra. Et Max, mon fils chéri. C'est grâce à eux que je continue juste pour le plaisir. Et tant pis pour la gloire. On est d'accord tous les deux? Oui, maestro, il n'y a pas photo. Celui-là, il a plus de... Plus d'âme? C'est ça. Et ça, ça n'a rien à voir avec la célébrité. Le succès, c'est de la chance. Le talent, ça se travaille. Es-tu prêt pour une interprétation magistrale du salut d'amour de Ludwig van Beethoven? Très drôle. Dans ce cas, rendons à Elgar ce qui appartient à Elgar. Thank you.